System one loaded. Bien bonjour tout le monde, bienvenue sur une petite vidéo tutoriel où nous allons découvrir comment installer des jeux qui sont à l'origine payants du Play Store, donc d'un téléphone qui possède Android, gratuitement. Alors pour ceci, pour faire cette manipulation, c'est très très simple, il vous suffit simplement d'avoir un téléphone routé. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est routé? Moi, je connais pas ce mot. Alors, si vous savez pas ce que c'est ou que vous ne l'avez pas fait, donc c'est qu'il ne l'est pas. Alors, très très simple, pour router votre téléphone, vous tapez, par exemple, le nom de votre téléphone, donc je crois que j'ai mis un exemple là, Galaxy Mini, et vous tapez juste router après. Moi, j'ai pas Galaxy Mini, hein, c'est vraiment pour montrer que ça marche avec tous les téléphones. Ensuite, vous tombez rapidement sur les petits tutos, là, par exemple, sur phone Android, où c'est expliqué ce qu'il y a à télécharger, quelle manipulation. Donc le fait de router votre téléphone, ça vous permettra d'avoir tous les droits, si vous voulez, tous les privilèges des accès qui sont d'origine bloqués dans le téléphone. Donc vous pouvez, voilà, vous êtes maître de votre entier de votre téléphone. C'est un peu, si vous voulez, comme le jailbreak sur les appareils Apple. Donc pour télécharger un jeu qui est payant, par exemple, on va aller voir sur le Play Store. Pardon, Play Store Minecraft. Voilà. Minecraft Pocket Edition, qui est un jeu qui est payant, qui coûte 5,49€. Donc voilà. Par exemple, on va essayer d'obtenir ce jeu-là. Donc c'est très simple. On va juste taper Minecraft. Voilà, Pocket Edition. J'ai déjà fait. Et après, vous mettez APK. Si vous voulez, APK, c'est l'extension donc du fichier. Et ensuite, bah, vous pouvez mettre. Moi, je mettais mon. J'ai mis la marque de mon téléphone au cas où, parce que des fois, avec des versions, ça peut changer. Donc, par exemple, là, pour mon. Voilà. Pour mon téléphone. Donc, on tombe sur un premier site, là, par exemple, APK Mania. Ou ensuite, vous voyez, donc là, il montre un peu comment c'est. Voilà. Donc, ici, Download Now. Je vais pouvoir télécharger Minecraft Pocket Edition payant. Alors. On download, voilà. Donc vous enregistrez le fichier qui met 25 secondes. En attendant, vous avez un petit logiciel à télécharger sur le Play Store qui lui est gratuit. Vous téléchargez un gestionnaire de fichiers qui s'appelle Astro. Donc voilà, c'est celui-là, Astro, donc qui est gratuit. Ensuite, entre temps, je vais le faire parce que je l'ai même pas fait. Là, je branche mon téléphone à l'ordinateur. Voilà, bon, mon téléphone est branché, le téléchargement est terminé. Alors maintenant vous prenez le fichier que vous venez de télécharger, qui c'est fini. Minecraft Pocket Edition, hop, on le sort. On va extraire le fichier aussi qu'il y a dedans. Alors, c'est celui-là. Celui qui est en format APK. Ensuite, vous allez tout simplement placer à la racine de votre téléphone ce dossier. Donc, quand vous aurez routé votre téléphone, vous aurez plein d'autres petits dossiers, voilà, qui sont comme ça. Donc, personnellement, moi, je le mets dans le dossier 0. Et vous allez voir ici, j'ai déjà pas mal de jeux. J'ai déjà Minecraft, d'ailleurs. Je vais le supprimer. Ah. J'ai Rayman, Shazam, Plant vs Zombie, Jetez-vous à l'eau, donc des jeux, même Sporty de Most Wanted, je crois que c'est aussi. Voilà, des jeux qui sont payants, donc que j'ai gratuitement. Donc voilà, vous le copiez à la racine de votre carte SD, dans un dossier. Et donc on se retrouve tout de suite pour le tutoriel en image sur le téléphone, pour vous montrer que ça marche bien. Salut. On se retrouve donc sur le téléphone, donc je vais vous montrer. Donc, une fois que vous avez téléchargé l'application Astro, ça doit faire une petite application comme ça, ici où il y a marqué gestionnaire. Alors, vous appuyez sur gestionnaire, ensuite, vous allez avoir un écran noir, non, théoriquement non. C'est un petit bug. Voilà, vous avez ici mes fichiers, mes fichiers 1, mes fichiers 2. Donc théoriquement, enfin c'est même sûr je pense, ça sera dans mes fichiers 1. Vous allez dedans, vous allez ensuite donc dans le dossier, moi 0 j'avais mis. Et donc ensuite tout en bas, donc vous voyez moi les applications que j'ai déjà téléchargées, Jetez-vous à l'eau, Shazam, Screencast, SwiftKey, etc, Rayman. Donc d'ailleurs j'ai deux fois Rayman. Donc ici j'ai Minecraft Pocket Edition, donc le jeu que j'ai mis tout à l'heure, c'est le même fichier. Hein.
Donc il suffit juste d'appuyer sur Minecraft Pocket Edition et directement il me propose de l'installer. Donc je l'installe donc, installer. Voilà, et donc ici, l'installation application enfin installée. Donc voilà, enfin installation terminée, bref. Maintenant, vous pouvez donc ouvrir et vous allez directement atterrir sur le jeu. Donc désolé pour la lumière parce que j'ai mis en luminosité basse, qu'autrement ça me faisait un mauvais contraste. Donc je vous montre vite fait que ça marche bien. Voilà, donc on a bien le jeu. Il c'est fluide, il n'y a pas de bug, voilà. Bref, donc je vous ai démontré que on pouvait donc télécharger des jeux qui sont à l'origine payants du Play Store sur votre Android. J'espère que cette vidéo, que ce tutoriel vous a plu et donc maintenant qui vous servira à obtenir tous les jeux que vous voulez gratuitement. Je vous invite à partager la vidéo pour montrer l'astuce à tout le monde. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, ça m'encourage à montrer un peu d'autres exclus comme ça et vous permettre voilà, d'avoir des petits avantages, des petits bonus, voilà, profiter des failles. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui devra sûrement arriver ce week-end. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.